Putain, on est exposé! Monsieur Gutiérrez a bien insisté sur la discrétion. Et toi, apparemment, tu ne fais pas la différence entre faire profil bas et faire sonner l'alarme. Essaie de faire un peu mieux la prochaine fois. Je boucle le contrat. Les implants sont plus vieux que moi. Et elle trouve encore les pièces pour les faire fonctionner. Et aujourd'hui? Oui. C'est un bon film, hey, ça devrait te plaire. Tu cherches un peu de compagnie pour ce soir? D'accord, pas de problème. Ouais, ok. J'ai un peu de temps à tuer. Viens par là, bébé. Thank you.
J'ai un truc qui va te faire bander toute la nuit. Ça me fait pas rire. On en était où déjà? T'es prêt à causer? Tu sais, les courses de rue. Je suis Claire, tu te souviens? Désolé, je suis là pour autre chose. Ah, ok. Hé, le distingué, t'en fous partout là. Ouais, toi, t'as dégueulassé tout le bas. Salut, Rogue. Tu continues à faire ça, thune. Chez toi, ok? J'ai les crédits pour le job avec Hellman. Bien. Anders Hellman, file-moi les infos. Deux verres. Pousse-toi de là. Assieds-toi. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, j'en vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, sers-toi un verre. À ta santé.
À la tienne, petit. T'en auras besoin. Merci, Nix. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tient. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. D'Arasaka et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux, c'est ça? Mais lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navire. Sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Et Matt, le chargement de la navire. Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Oh. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. Transféré depuis Tianji. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. C'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Ah, impossible d'attaquer la navire sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navire de travers, leurs mignons nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville, et hors de portée de Kang Tao. Dirais que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Un autochtone? Tu connais des mercs qui collent au profil? Une seule. Panam Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée? C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. À toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Pourquoi Panam devrait m'aider? Elle est où, l'arnaque? Hein? Panam transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son jour. Y a eu un problème? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Panam fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Panam sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Ok, ça me va. Allez, foutons le camp d'ici. Bonne chance. Je te sers. Accroche-toi encore un peu, June. Le charcutoc arrive. Quel boulot. C'est la serrure. Pourquoi elle est pas à l'hôpital? Ouais. On est sûrement plus à l'abri ici. Oh, merde. Dis-moi quelque chose, Sean. N'importe quoi. Revoir ça, tu peux pas venir. T'as plus de intérêt. Faites le mal poli. Oh, je vais gerber. Allô? Panam? C'est V. Hein? V? V qui? Et puis comment t'as eu ce numéro? Par Rogue. Oh, super! Manquait plus que ça! Comment elle va me baiser la gueule cette fois, celle-là?
passe entre Rogue et toi, j'en ai rien à battre. J'ai un boulot à te proposer. Génial, mais je suis un peu débordée en ce moment. Avec la marchandise et ta caisse, c'est ça? Tu veux les récupérer? Je peux t'aider. Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Bonjour. Y a quoi de beau ici? Tout ce que vous voulez.
bien dans ta tête ? Hey, t'es cuidado. Là. Vu qu'on va bosser ensemble, je me suis dit que j'allais t'appeler. On m'appelle El Capitan. Et toi, c'est V. Même pas besoin de me présenter. Tu l'as déjà fait pour moi. Quand on me confie un boulot, je m'en occupe à fond. Je mange, je dors et je respire boulot. Souviens-t'en. À vos ordres, mon capitaine. Pendant que je te tiens, si t'as besoin de changer de caisse ou de bécane, j'ai tout ce qu'il faut, et pour pas cher. Donc tu viens me voir quand tu veux, ok ? Salut. Panam. Tu dois être V. Elle est où ma caisse ? On peut s'entraider. C'est ce que Rogue m'a dit. J'aurais dû m'en douter. Bon. Dis-moi tout ce que tu sais. Autrement, retourne voir Rogue et dis-lui d'aller se faire foutre. Hé, hey, tout doux. On se calme. Me donne pas d'ordre, ok ? D'accord. Je sais où trouver la marchandise et ta caisse. Mais si t'y vas seul, tu les récupéreras pas. Et tu risques d'y perdre autre chose. Alors on a qu'à trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu veux ? Je dois parler à un type, un corpo. Il sera à bord d'un de leurs convois. Non, les enlèvements, je fais pas. En plus, pour s'attaquer à un convoi, il faudrait plus d'hommes et plus de matos. Il y a qu'une navire. L'itinéraire prévu passe au-dessus des plaines Jackson. Putain, je rêve. En échange, tu auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok ? Je sais pas. Merde ! Marché conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma Sorton. Alors, elle est où ? La marchandise t'intéresse pas tant que ça, en fait. Je m'en fous de la marchandise. Avec ce pick-up, je peux prendre tous les boulots de livraison. Sans lui, la seule chose que je peux transporter, c'est les pizzas. Et encore. Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est, à ce qui paraît. Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Je vais t'étrangler. Nage, c'est un tchoum à toi ?
T'as fait un mauvais plan? C'est pas mon Choum. Ok. Disons partenaire. Plus maintenant. Ce Shiv m'a fait un coup de pute. Il a chouré mon pick-up et la marchandise. Et là, il compte sûrement la fourguer à Rocky Ridge. Il peut se toucher s'il pense que je vais le laisser faire. Alors, en route pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. Chier. Bon. On aura besoin de renfort. Va falloir faire un arrêt en chemin. Je peux savoir où? Une seconde. J'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cet enfoiré. Elle peut boucler la transaction dans le dos de Rogue. Waouh, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Hé, hey, salut boss. Nash doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Boz, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. Boz, s'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs? Et combien de fois j'ai merdé, hein? Je te donne ma parole. Cette nuit? Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointe pas. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde? Mais oui, évidemment. Merci, Buzz. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps. T'as donné ta parole à cet abruti et il t'a cru? Ouais, ça te surprend? Ça s'appelle avoir une réputation. Tu devrais t'en payer une un de ces jours. Buzz? Vista del Rey Buzz? Je savais pas que tu roulais pour les Sixth Street. Quoi, c'est interdit? Non, ça me pose aucun souci. Toujours d'ardents défenseurs de la bannière étoilée et des valeurs patriotiques? Peut-être bien. Mais je m'en tape. Ils payent bien. C'est pas plus compliqué. Alors, on va où maintenant? Au camp des Halles des Caldos. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Rogue m'a parlé de tes amis. Elle dit que ce serait plus trop l'entente entre vous. Bah voyons, si Rogue le dit, alors ça doit être vrai. Ça l'est pas? Tu commences à me gonfler. Ouh, ok. C'était qu'une mini embrouille. C'est toujours ma famille. Donc, c'est compliqué. On peut dire ça. Ouais. Tu penses qu'il y a une chance qu'ils nous aident pour Rocky Ridge? Ouais, c'est le plan. Ok, en route. Monte. Sympa la caisse. Pratique et spacieuse. Oh, ça va. Ferme-la. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parlais pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes? Et toi? Tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navie? Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il me les faut super rapidement. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash? Rogue? Elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas, cette conne! C'est quoi? On l'emmerde, Rogue. Pourquoi tu lâches pas l'affaire? Parce que j'ai besoin de fric! La laisse pas te manipuler. C'est pas la seule fixeur en ville. N'empêche que t'es là juste parce qu'elle t'a envoyé. En attendant, c'est pas moi qui bitch sur elle. Tu sais que dalle sur elle. Que dalle! Elle t'a dit que c'était elle qui m'avait mise en contact avec Nash. Et qu'elle avait... juste oublié de me dire que c'était un Raffen Shiv. Elle était peut-être pas au courant pour lui. Me fais pas rire. Les fixeurs comme elle savent ce genre de choses. Je te parie qu'elle sait qu'on parle d'elle en ce moment. Nash et moi, on avait un rôle à jouer dans son jeu. Son plan. C'est tout. Rogue est une sale conne frigide. C'est ça la vérité.
Hey, mais regardez ce que le bon vent nous amène. Un fantôme ou ma gueule de bois me joue des tours? Je t'emmerde, moi aussi. Et c'est qui, ça? Mon babysitter. V, je te présente Scorpion et Mitch, deux vieux amis. Salut, les gars. Salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici, la citadine? La grande ville est devenue trop petite pour elle. Tu réalises que le vieux va vraiment être furax quand il va te voir ici? Je passe juste un coup de vent. Pas la peine d'en parler à Saul. On a besoin de votre aide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les Raffen ont entubé Panam. On veut leur montrer que c'était pas une bonne idée. C'est grave, ce qu'ils t'ont fait? Suffisamment grave pour m'obliger à écouter sagement vos conneries. C'est qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider là? Le vieux nous a dit de pas bouger, de remettre ses générateurs en marche. Les batteries sont mortes. Des générateurs? Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs? C'est encore une blague? On a vraiment besoin de vous. Cette fois, ils ont besoin de nous ici. Putain! J'y crois pas! Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit! Vous en avez rien à foutre de moi! Madame! C'est pas Saul le problème, c'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais. Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok? Ouais. Merci, les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. Tu vas devoir me supporter, on dirait. Bah quoi, t'es déçu? Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. Salut, Panam. Tu vas rester un peu dans le coin? Non, je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Salut, Panam. T'as amené un nouveau? Oui. Saul est au courant? Quoi? Ça, c'est pas tes affaires. Tu peux voir ce qu'il y a en magasin? Je vous laisse regarder. Me donner un coup de main? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. On a ce qu'il nous faut. Allez, on se casse. Vous avez réglé vos différends avec Saul? Tu vas revenir? Panam? Tu passes me voir après, hein, chérie? Une autre fois, Ellie. Promis. Bon, j'y vais. Ouais, ouais. Allez, vas-y, file. Appelle-nous à l'occasion. Surveille-la bien, V. Mets-la dans le coffre.
pas y aller. Monte. Apparemment, t'as un gros problème avec l'autorité. Quoi ? D'abord Rogue, et maintenant Saul. C'est ton chef, c'est ça ? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldecaldos. On prendra un nouveau départ. Mais tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tentes sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincue qu'il va mener le clan à sa perte. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul, mais le clan passe avant tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs. Tiens à toi. Que tu considères comme un proche, toi ? Pas pour l'instant, mais ça va peut-être pas tarder. Ok. Ils étaient dans l'armée, tes potes ? Scorpion et Mitch ? Ouais, c'était les Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Les Panzer Boys ? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo ? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtard et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Rocky Ridge, c'est un trou paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement de l'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Il y a combien de villes fantômes comme ça ? Des centaines ? Dans tout le pays ? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi ? Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées. Les virevoltants et le sable qui balaye la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur. Mais dans un gémissement. Ok, on y est. Qu'est-ce qu'on fait ? On se prépare à accueillir les Raffen. Il y en a pas beaucoup de temps, alors on improvise. On devrait repérer les lieux d'abord. On trouvera peut-être quelque chose d'utile.